Au centre Almamissa Mourutouré de Cancan, une ambiance festive règne dans la cour de ce lycée-collège. Les candidats, avec le sourire aux lèvres, apprécient le déroulement des épreuves. Parmi eux, Fatoumata Koulibaly se distingue par sa détermination et son enthousiasme. Les examens, on a fait, ça s'est bien commencé et bien terminé. Bon, malgré nos survents, ils étaient un peu sévères avec nous. Quand même, on a pris le courage pour faire le mieux, pour faire ce qu'on peut. Quand même, on a fait ça et on remercie Dieu. Tout a commencé bien et ça s'est bien aussi terminé. Angéline Koumba Sandoulo a abordé les épreuves avec une grande confiance cette année. Elle attend maintenant avec impatience les résultats. Oui, je remercie Dieu. Les épreuves se sont bien déroulées. On a bien commencé dans les bonnes conditions et on a bien terminé en bonne santé. Et ça s'est bien passé aussi. La dernière épreuve était la mathématique. Ça s'est bien passé pour la grâce de Dieu. Dans ce centre d'examen, aucune fausse note n'a été signalée. Kader Faro est notre candidat. Se réjouit de la surveillance. Je me souviens de cette année, bon, c'était bien passé parce que je me souviens, j'étais pas aussi dur que l'année dernière. Il faisait leur possible. Parce qu'ils travaillaient sur les ordres, sur les consignes données. Et il n'y a pas eu de fraude parce qu'il n'y a pas aussi des fichiers qui entrent dans la classe, des téléphones, rien du tout. Au total, 22 911 candidats, dont 7 306 filles ont pris part cette année au brevet d'études du premier cycle BEPC dans la région administrative de Cancan.